Red flag. Si elle est majeure, c'est red flag. Si c'est un beauf, c'est red flag. Si elle ne joue pas à Sparking Zero, c'est un red flag. Si c'est une meuf, red flag. Voilà. Mais non, c'était le seul critère. Et s'il s'appelle Gabin, red flag. Si elle dit que Splatoon c'est son jeu préféré, red flag. S'il a des cheveux, red flag. C'est votre moment, les chauves. S'il porte pas de jupe, comment ça? Red flag. Si son prénom commence par A et finit par Dolph, red flag. S'il aime pas les chats, c'est un red flag. Si elle me dit c'est qui Charles Leclerc, c'est red flag. S'il ne m'a jamais trompé, c'est un red flag. Si t'as jamais trompé? Oh, je vous comprends plus, moi de toute façon j'en ai marre. Il en reste plus qu'une, alors toi aussi écris tes red flags sous cette vidéo. Si elle est plus grande que la mienne, c'est un red flag. De quoi on parle? De quoi on parle d'abord, juste? Si elle a une vie sociale, c'est red flag. Vous en avez marre de vous faire quitter comme une merde? Eh ben je vous ai préparé les pires red flags pour éviter de tomber sur les mauvaises personnes. Si elle m'achète pas un piano à queue, red flag. Alors que si elle a une grosse, si elle a connu la reine d'Angleterre, red flag. Mais elle est partie il y a 2 ans. Ah, c'est dégueulasse. S'il fait pas 27 cm, c'est red flag. 27 cm, c'est tout petit. Si elle a pas des gros flotteurs, c'est red flag. Si elle aime pas Valorant, c'est red flag. Si elle est puceau, c'est red flag. Si elle est trop vieille, red flag. Nous, on préfère les trop jeunes. Non, 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 toujours pas. Si elle aime pas Aya Nakamura, red flag. Écrivez vos pires red flags dans les commentaires de cette vidéo et je les jugerai la prochaine fois. Si elle pisse debout, ça fait partie des red flags. Là, je l'ai dit calmement cette fois. Si elle aime pas Naruto et Dragon Ball, c'est red flag. Si elle aime pas les vidéos de Gabin Zanetti, c'est red flag. Mais alors, y a pas de haine, vraiment. Si elle me trouve pas beau alors qu'elle ne m'a jamais vu, c'est ce qu'on appelle l'instinct. Elle a peut-être raison. C'est red flag. Alerte, red flag. S'il s'appelle Kevin, c'est red flag. Si elle sait parler, je vais pas me faire avoir cette fois. Red flag. Oh, je me suis fait avoir là. S'il a une Tesla, c'est red flag. Bah ouais, fallait réfléchir avant. Si elle a rien dans le caleçon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Red flag. Bizarre. Si elle aime la politique, red flag. Ça, c'est red flag. Hein. Attention. Si c'est un mammifère, red flag. Si c'est Gabin Zanetti, red flag. Si elle porte des TN, red flag. Si elle a pas de casier judiciaire, c'est red flag. S'il ne connaît pas le Seigneur des Anneaux, c'est red flag. Et ça me vexe pas du tout. Si il ou elle tabasse une boîte rouge, à quoi tu fais allusion, toi? C'est red flag. Il n'en reste plus qu'une, alors si tu veux participer, écris tes red flags dans les commentaires de cette vidéo. Si elle a 30 paires de chaussures, c'est un red flag. Faites attention à vous. Si elle n'a pas voté RN, c'est un red flag. Oh merde. Comment repérer les personnes qu'il faut absolument éviter? Vous allez voir, c'est très simple. Si elle est consentante, red flag. Qu'est-ce que je viens de dire? Si elle n'aime pas le foot, red flag. Oh. Bref. Si elle est pour la défense des moustiques, ça existe ça? Red flag. Mais si elle fait du MMA, c'est red flag. Vas-y, viens, même pas peur. Wow. Si elle aime pas les jeux de société, c'est une grosse co... Red flag. Je me suis emballé. Waouh. D'ailleurs, vous pouvez acheter mon nouveau jeu de société, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Je n'ai pas de jeu de société. Oh, les cons. Si elle est lélé. Si elle est lélé. Si elle est lélé. Je sais même pas ce que ça veut dire. Red flag. Si elle est pas mineure, c'est red flag. Oh merde. Mais non, mais je vais trop vite, je me suis fait avoir, j'ai pas fait gaffe aussi. Bon bah tant pis, on garde ça. Mais pourquoi vous jugez vous aussi? Eh, 2024, chacun ses préférences, c'est bon. Si elle a un meilleur ami, c'est red flag. C'était moi son meilleur ami. Si elle préfère une Xbox, c'est red flag, y'a plus de boîte là. Waouh, c'est tous les cons qu'on a jugés ça. Si elle n'a pas vu The Walking Dead, red flag. Oh, c'est plus simple comme ça au moins. Écrivez vous aussi vos red flags dans les commentaires et on les jugera la prochaine fois. Si elle est née après Fortnite, red flag, on se méfie. Le jeu est sorti en 2017, on cogite un peu. Voilà. Attention, voici les pires red flags à éviter chez les personnes que vous rencontrez. Si elle a pas de bouche, red flag. Comment elle fait pour te... Si elle n'est pas blonde, red flag. Et puis quoi encore? Une brune? Ouais. Si elle en a une plus grosse que toi, red flag, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. S'il a un grand frère beau gosse, red flag. Elle ne peut pas être plus grosse que moi, c'est pas possible. Si elle a une chatte, red flag. Parce que j'aime pas les poils. Ah, non, je suis allergique aux chats, c'est ça que je voulais dire. Arrêtez tout de suite de... Si elle porte des slims, red flag. Si elle porte des slips, red flag. S'il est contre le racisme, red flag. C'est-à-dire contre le racisme, ça voudrait dire qu'il... Ah, tout va bien. Si elle joue au Duplo, red flag. On évite. Ça reste un jeu pour les gens un peu petits. Donc c'est non, on réfléchit. Si elle fait plus d'1m50,
Red flag, quoi? C'est-à-dire qu'il faut qu'elle fasse au moins. Pas d'accord. S'il a un I ou un A dans son prénom, red flag. Par exemple, Tima. Ça existe pas, Tima, merde. Bon, je sais qu'on s'amusait bien, mais il en reste plus qu'une. Donc écrivez vos red flags dans les commentaires de cette vidéo et on réagira la prochaine fois. Si elle est très proche de son ex, red flag. J'ai pas passé des mois à flirter avec toi pour que tu restes pote avec ton ex, quoi, ça se fait pas. Si elle pisse debout, c'est un red flag. S'il pense que les animés sont pour les enfants, c'est red flag. Si elle est noire, c'est juste raciste. Donc on va l'enlever de là parce que c'est pas cool. Si elle est extravertie, red flag. Et je sais même pas ce que ça veut dire. Si elle est étrangère, c'est toujours raciste. Si elle a deux chiffres dans son âge, c'est red flag. Et puis quoi encore? Trois chiffres? Réveillez-vous. Si elle ne gémit pas au lit, c'est que t'es nul. Voilà, j'ai pas d'autre explication. Si elle a déjà perdu ses dents de lait, chier, c'est red flag. Si elle s'appelle Ashley, c'est red flag. Pas de ça ici. Si elle a des red flags, c'est un red flag. Jusque là, c'est logique. Si c'est pas Batman, c'est bizarre. Mais c'est red flag. Si c'est ta mère, c'est un red flag. S'il n'a pas d'enfant dans sa cave, red flag. Bizarre là. Si elle est dans un cercueil, red flag. Parce que c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. S'il aime pas aller au cinéma, red flag. S'il n'a pas atteint le niveau max de Red Shadow Legend, red flag. Comment ça, il a pas le niveau max? Si elle est abonnée à toi. À moi? Un red flag alors. Fais chier, merde. Écrivez en commentaire les choses que vous détestez chez une personne et on y réagira la prochaine fois. Red flag. Si elle se douche sans moi. Wow. Red flag. Quels sont vos red flags? Mais c'est quoi un red flag? Tu te fous de ma gueule? Un red flag, c'est quelque chose qui vous repousse d'une personne. Par exemple, si elle fréquente encore son ex, c'est un red flag. Parce que c'est quelque chose que vous ne voudriez pas qu'elle fasse. Si elle n'a pas regardé Nouvelle École saison 3 avec Aya Nakamura, elle est super d'ailleurs. Donc arrêtez de... C'est red flag. Si elle n'est pas en maison de retraite, c'est red flag. C'est quoi? Non, lui, il a mal compris le jeu. Si elle me vole une frite au McDo, c'est red flag. S'il porte des chaussettes claquettes, ça c'est un red flag. J'ai cassé la boîte aussi. Si elle aime pas le jus d'orange sans pulpe, bah c'est un red flag. Bon alors me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. C'est lui qui a choisi. Et tu peux faire pareil en écrivant tes red flags sous cette vidéo. Eh oui. Si elle porte plus de couches, red flag. Quoi? Ces questions, c'est quoi ça? Si elle mange un burger avec les couverts, red flag. Si elle est LGBT, wow. Vous voulez me mettre dans la sauce ou quoi? Si elle joue pas à la Wii, red flag. Ouais, mais après à un moment donné faut se mettre à jour quoi. C'est fini la Wii, c'est terminé ça. C'est... Mais bon, red flag. S'il aime pas la boxe, c'est un red flag. Il n'en reste plus qu'une, donc si vous voulez une prochaine vidéo, écrivez vos red flags. Si elle sait marcher, et bah c'est un red flag. Je cautionne pas celui-là par contre, non, je... Si elle pisse debout, c'est un red flag. S'il pense que les animés sont pour les enfants, c'est red flag. Si elle est noire, c'est juste raciste. Donc on va l'enlever de là parce que c'est pas cool. Si elle est extravertie, red flag. Et je sais même pas ce que ça veut dire. Si elle est étrangère, c'est toujours raciste. Si elle a deux chiffres dans son âge, c'est red flag. Et puis quoi encore? Trois chiffres? Réveillez-vous. Si elle ne gémit pas au lit, c'est que t'es nul. Voilà, j'ai pas d'autre explication. Si elle a déjà perdu ses dents de lait, chier, c'est red flag. Si elle s'appelle Ashley, c'est red flag. Pas de ça ici. Si elle a des red flags, c'est un red flag. Jusque là, c'est logique. Si c'est pas Batman, c'est bizarre. Mais c'est red flag. Si c'est ta mère, c'est un red flag. S'il n'a pas d'enfant dans sa cave, red flag. Bizarre là. Si elle est dans un cercueil, red flag. Parce que c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. S'il aime pas aller au cinéma, red flag. S'il n'a pas atteint le niveau max de Red Shadow Legend, red flag. Comment ça, il a pas le niveau max? Si elle est abonnée à toi. À moi? Un red flag alors, fais chier, merde. Écrivez en commentaire les choses que vous détestez chez une personne et on y réagira la prochaine fois. Red flag.